Bonsoir à tous, c'est mardi et c'est l'heure de votre rendez-vous avec la santé. Merci pour votre fidélité à cette émission. Malgré l'urgence sanitaire en lien avec la riposte au Covid-19, il est important de maintenir la continuité des offres de services en matière de santé en général et particulièrement les offres de services en santé sexuelle et de la reproduction pour tous. Hommes comme femmes, nous devons bénéficier et jouir de nos droits sexuels et avoir un accès facile à une bonne santé sexuelle et de la reproduction, d'où le concept santé, droits sexuels et de la reproduction pour tous au Togo. Pour signifier aux Togolais justement et mieux leur faire comprendre, connaître ces droits, un projet est en cours actuellement au Togo. Il s'agit du projet dénommé Engagement de la société civile pour la promotion de la santé, droits sexuels et de la reproduction pour tous au Togo. Que vise concrètement ce projet? Quelles sont les principales activités au programme durant l'exécution du dit projet? Surtout, quels sont les changements attendus? Nous en parlerons tout à l'heure dans cette émission. Aujourd'hui, 1er décembre 2020, quelques questions également sur le VIH-Sida seront également évoquées avec la situation des minorités sexuelles. Qu'est-ce que c'est que les minorités, ou bien qu'entendons par minorité sexuelle? Vous le saurez tout à l'heure. Merci de rester fidèle à cette émission. Nous avons une heure de temps à passer ensemble. Voilà. Nos invités sur le plateau, je commence d'abord par la femme. J'ai à ma droite Madame Assou Adikpe Lema Charlotte. Et les points focaux santé, droits sexuels et de la reproduction de la division de la santé mère-enfant, bien au niveau de la division de la santé mère-enfant. Madame Assou Adikpe, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette émission. Bonsoir Tata Caro. Comment allez-vous? Ça va, je vais bien. Et les activités? Ça se passe bien. J'espère que vous allez bien aussi. Oui, je rends grâce. Merci beaucoup. Merci. Le second invité, c'est Monsieur Niassé Atenedi. Il est chef service communication et relations publiques au secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. Monsieur Niassé Atenedi, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Merci, bonsoir Charlotte, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup d'être là. Voilà, nous parlerons ce soir, je le disais tout à l'heure dans mon introduction, de la santé, droits sexuels et de la reproduction pour tous au Togo. Première question, Madame Assou Adikpe, c'est vrai que le sigle SDSR veut dire tout simplement santé, droits sexuels et de la reproduction. Mais si nous voulons aller au-delà ou bien au fond de cette simple définition, qu'entendez par santé, droits sexuels et de la reproduction? Merci Tata Carole pour la question. Alors, la SDSR, bien entendu, santé, droits sexuels et de la reproduction, et s'intéresse à l'accès de tous, femmes, hommes, enfants, jeunes ou adolescents, et aux soins de qualité pour tout ce qui concerne la santé sexuelle et de la reproduction. Leur accès aux informations de qualité. Également, la SDSR vise que la personne humaine puisse décider de quand avoir des enfants, décider également si oui ou non il veut avoir des enfants. Donc c'est en un mot, la SDSR prône l'accès de tous sans distinction à la santé sexuelle et de la reproduction. Mmh. Merci. Mmh. Monsieur Niassé Atenedi, dites-nous, le droit à la santé est fondamental pour tout individu et il est reconnu comme tel. Vous êtes d'accord avec nous ce soir? Oui, le droit à la santé est fondamental.
Et d'ailleurs, c'est l'une des préoccupations et des premières dispositions de la Constitution togolaise qui invite les citoyennes et les citoyens à considérer le fait que chaque citoyen, sans aucune forme de distinction, a droit à la santé et pleinement. Et donc, on verra que plus tard, en dehors de cette constitution, beaucoup d'autres instruments nationaux de politique ou de programmation en matière de santé et de bien-être exigent, sinon j'allais dire insistent sur ce droit. Et même quand on considère les instruments nationaux dont la constitution j'ai parlé, que c'est un droit inaliénable. C'est un droit inaliénable, c'est vrai. Madame Assou Adikwe, dites-nous, le droit à la santé est reconnu pour tous, mais pourquoi mettre spécialement l'accent sur le droit sexuel et de la reproduction? Est-ce qu'il y a une problématique là-bas? Alors, merci Tata Karen. Le droit sexuel et de la reproduction fait partie des premières stratégies pour lesquelles le ministère de la Santé lutte, parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de droits à la sexualité qui ne sont pas auxquels les femmes ou bien les hommes, toutes les personnes n'accèdent pas. Donc, c'est pourquoi nous avons mis un accent, nous faisons un focus sur la santé sexuelle et de la reproduction. Alors, lorsque vous prenez la santé sexuelle et de la reproduction, nous voyons que c'est une partie de la population, qui arrive à accéder facilement aux soins de santé de la reproduction. Il y a une partie qui n'arrive pas à y accéder. Et pourquoi cela? Des fois, c'est dû à la situation géographique. Parfois, c'est au manque de moyens financiers. Et parfois, c'est dû à la situation de la personne. Peut-être que la personne vit avec un handicap, donc ne peut pas accéder facilement aux soins. Donc c'est pour ça que, pour éviter que les femmes meurent en donnant la vie, par exemple, qu'il y a un focus qui est fait sur la santé de la mère et de l'enfant. Maintenant, nous n'allons pas seulement nous intéresser à la mère et à l'enfant, mais il y a les jeunes, il y a les adolescents, il y a également les hommes qui ont besoin d'avoir des informations sur leur sexualité, sur comment se développent leurs organes reproducteurs, par exemple, les problèmes auxquels ils peuvent faire face au cours de leur vie. Donc, tout ceci étant, il est de bon ton qu'on fasse vraiment, qu'on mette cela à une première place. Et ce projet vient à point nommé et vraiment appuyer le ministère de la Santé et surtout la direction de la santé de la mère et de l'enfant à informer, à faire une sensibilisation à toute la population en matière de la jouissance, de la pleine jouissance des populations à la santé sexuelle et de la reproduction. Merci beaucoup. Monsieur Niassa, quelque chose à ajouter? Oui. On veut mettre ce soir l'accent sur les droits sexuels et de la reproduction. Exactement. Ça veut dire que quelque part, il y a une problématique. Exactement. Merci à Madame Lema pour ces détails. Je voudrais tout simplement ajouter que si nous ramenons le sujet dans le domaine spécifique du VIH, il y a vraiment problème. Voilà. Parce que lorsque
nous prenons le droit que chaque citoyen a de jouir de la santé, de sa santé, de sa pleine santé, qu'elle soit sexuelle ou de la reproduction. C'est dans la réalité, il y a beaucoup de difficultés à certaines catégories de population de jouir de cette santé-là. Et donc, d'aller même réclamer les services de santé, l'offre de services. Et premièrement, quand on prend la tranche jeune, le droit à la santé sexuelle ou à la santé de la reproduction, son premier droit, c'est d'être informé. Mais les jeunes ne sont pas informés et vous n'allez pas imaginer c'est quoi les chiffres de grossesse non désirée dans les établissements. Vous n'allez pas imaginer que pour une période de 2 ou 3 mois de congé, on va vous dire que toutes les filles d'une école sont tombées enceintes. Et donc tout ça, c'est dû à un manque d'information sur un aspect précis et de sensibilisation. Maintenant, quand on prend les autres types de populations telles que les minorités sexuelles, il y a également problème. Parce que je reste toujours dans le domaine du VIH pour dire que lorsque nous prenons par exemple les populations clés, qui sont un type de population reconnu par le Togo comme étant... Et si on expliquait en même temps les choses, monsieur Nassiat Tenedi, je l'avais dit tout à l'heure dans mon introduction, en parlant des minorités sexuelles, j'ai promis aux téléspectateurs que nous allons revenir là-dessus pour leur expliquer ce qu'on entend par minorité sexuelle, voilà. La population clé. Alors, c'est l'occasion, il faudrait qu'on explique un peu avant d'avancer dans les réponses. Merci. Les populations clés, c'est donc ce type de population qui ont un caractère vulnérable en matière d'infection à VIH. Et au Togo, on les a classés en 4 catégories. Il y a les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Il y a les professionnels du sexe. Il y a les personnes en situation carcérale, les prisonniers. Et il y a les usagers de drogue. Et donc, ce type de population ont une certaine vulnérabilité par rapport à l'infection à VIH selon leur pratique. Quand on prend les HSH, leur pratique sexuelle. Quand on prend les PS, leur pratique sexuelle. Quand on prend les prisonniers également, vu le confinement et la promiscuité dans laquelle ils vivent au niveau des prisons, il y a aussi les pratiques sexuelles. Et quand on prend les usagers de drogue, surtout injectables, il y a l'usage des seringues. Et donc, ces populations hébergent le plus fort taux de population. Est-ce que c'est au sein de cette population clé qu'on retrouve la minorité sexuelle? Exactement. Les minorités sexuelles, c'est tout simplement ces catégories de pratiques sexuelles que la société généralement n'accepte pas. Voilà, justement, comme les HSH. Quand on parle des HSH, hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, c'est y compris les gays, par exemple, les lesbiennes, par exemple. Voilà, il y a plusieurs types, mais on peut se limiter là-bas. D'accord. Ok, alors je l'ai dit au début de cette émission, excusez-moi ma voix elle est un peu cassée ce soir mais ce n'est pas trop grave, je l'avais dit que nous allons mettre l'accent sur un projet qui est en cours d'exécution et ce projet veut faire la promotion justement de la santé pour tous au Togo, y compris la santé sexuelle, droits sexuels et de la reproduction. Alors monsieur Nyassa, vous êtes le chef service communication et relations publiques au secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les IST. Et le CNLS IST est justement partenaire technique. Alors, partenaire technique de ce projet dénommé Engagement de la société civile pour la promotion de la santé, droits sexuels et de la reproduction au Togo. En quoi ce projet suscite-t-il un intérêt pour le CNLS IST? Justement, merci beaucoup. Le CNLS IST qui coordonne la lutte contre le sida dans le pays, travaille sur la base d'une planification. Ouais. Et la planification, c'est l'élaboration et l'adoption des plans quinquennaux. Et tous les 5 ans, on élabore un nouveau plan en se basant sur les réalités du terrain,
par rapport aux actions menées les années passées. Et donc, à la fin de chaque plan quinquennal, on fait des évaluations et on voit où ça a marché, où ça n'a pas marché et quels sont les boulots d'étranglement pour corriger et avancer. Et donc, c'est par rapport à cela que le SPCNLS, le CNLS fait des études et par rapport à ces études et à ces, j'allais dire, évaluations de la lutte et de la riposte au VIH, constate que le VIH est hébergé par un certain nombre de populations et ces populations qui hébergent plus le VIH ont moins accès aux services de santé. Et il s'agit de quoi? Nous venons de le dire, il s'agit des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, il s'agit des professionnels du sexe, des usagers de drogue et des prisonniers. Et donc, dans la planification, depuis ça fait déjà deux planifications au moins déjà, dans lesquelles ces types de populations ont été considérées et sont toujours considérées comme les cibles prioritaires de la riposte au VIH. Et donc, par rapport à cette situation, le Togo met l'accent dans la lutte contre le sida sur ces cibles-là. C'est ainsi que lorsque nous prenons le plan stratégique 2021-2025, c'est encore les mêmes cibles qui sont considérées comme cibles prioritaires. Et quand on prend le projet SDSR pour tous au Togo, on constate que en ciblant les minorités sexuelles, les cibles sont pratiquement les mêmes. Et donc, si le projet SDSR réussit à mener sa lutte spécifique sur cette catégorie de population avec sa cible aussi qui est la formation et la capacitation des ONG et des organisations de la société civile pour qu'ils puissent mener l'information et la lutte de proximité sur le terrain, le SPCNLS ne peut que s'en réjouir parce qu'en ce moment, une partie, sinon une parcelle de la lutte a été porté par ce projet, puisqu'il y a aussi des parcelles que d'autres projets portent. Et comme le dit un proverbe togolais, c'est les eaux de ruissellement qui grossissent un fleuve. Et nous pensons que en occupant ces parcelles d'activité, notamment sur la minorité sexuelle, surtout en mettant un point sur la santé sexuelle et de la reproduction, nous pensons. Pourquoi la santé sexuelle et de la reproduction? Il faut quand même qu'on donne une petite explication. C'est justement parce que les jeunes qui sont une population vulnérable, ces jeunes qui sont censés être les jeunes de reproduction demain, il faut qu'ils sachent comment entretenir, comment prendre soin de leurs organes génitaux, des problèmes de sexualité, et surtout de ne pas croire que le sexe est un jouet pour qu'à un moment donné, on souffre de certaines infections tout simplement parce qu'on en a fait un jouet et qu'au moment même où on veut fonder un foyer, la reproduction devient compliquée et parfois même on n'atteint pas son âge de reproduction parce que par rapport à certains types de maladies, on aura quitté cette vie précocement. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que la population est censée connaître sur le projet dont nous parlons ce soir? Les informations jugées utiles tournent autour du but, de l'objectif de ce projet, de sa durée, du coût, de son coût et du partenaire financier, mais surtout des changements attendus à la fin du projet. Mais voyons tout cela dans cette première partie de l'interview que nous a accordé M. Adadiso Raymond. Il est le directeur exécutif du réseau Cupido. C'est un projet de 24 mois et donc deux années qui engage 15 organisations de la société civile qui couvrent toute l'étendue du territoire national. Et dans le cas de ce projet, c'est le partenaire Amplify Change qui nous accompagne. Le but de ce projet, c'est de renforcer
essentiellement les capacités des organisations de la société civile afin que ces organisations puissent mieux adresser, sinon mieux embrasser la thématique, sinon la problématique de la SDSR, ce que nous entendons par santé, droits sexuels et de la reproduction pour tous au Togo. Donc essentiellement, c'est un projet de renforcement des capacités des organisations de la société civile pour que ces organisations-là puissent mieux servir les communautés en matière de santé sexuelle. Amplify Change, dans le cadre de ce projet, est essentiellement, sinon, le partenaire financier. Il accompagne ce projet à hauteur de environ 340 millions de francs CFA pour les 2 ans. Donc, nous pouvons déjà citer le CNLS qui nous a si civil renforcé, beaucoup plus forte pour mieux adresser les questions de santé sexuelle et de la reproduction. Le changement attendu, in fine, c'est la SDSR pour tous, hein, sinon la SDSR surtout pour les populations les plus vulnérables, sinon les populations marginalisées, notamment les minorités sexuelles. Mais les changements attendus immédiatement, sinon au bout des 2 ans, c'est que les organisations réunies au sein de cette coalition, que nous appelons la coalition pour SSR pour tous au Togo, soient beaucoup plus armées, c'est-à-dire outillées pour faire jouir faire accéder à ce droit-là, le droit à la santé, à toute la population togolaise. Donc le changement immédiat, c'est des organisations de la société civile renforcées pour mieux adresser les questions de santé sexuelle et des questions de droit à la santé de façon générale pour toute la population togolaise. Voilà, présenté sommairement le projet SDSR. Alors, madame, dites-nous, c'est un projet qui est en cours et il va durer 24 mois, comme l'a dit tout à l'heure monsieur Adadiso. Alors, quelle est la contribution de ce projet à la lutte contre la pandémie du coronavirus? Merci, Tata Carole. Et ce projet, au début, a prévu un certain nombre d'activités avant justement l'avènement de la pandémie au coronavirus. Donc, depuis que la COVID est apparue, la COVID-19, donc le projet a fait un certain réaménagement au niveau de ses lignes budgétaires et bien sûr en accord avec son partenaire. Et donc, des fonds ont été dégagés pour venir en aide, en appui, et aux 14 organisations de la société civile membres du mouvement pro SSR. Donc, au sein de ces 14 OSC, il y a eu un renforcement en matière des capacités des membres des OSC en matière d'éthique et afin de promouvoir le travail, le télétravail, et de réduire des activités en présentiel, justement pour éviter la transmission du COVID-19. Alors, il est prévu aussi des activités de sensibilisation de la population et afin de les amener à vraiment réaliser le risque du COVID-19. Et ils ont également mis à la disposition de ces 14 OSC, membres du mouvement pour SSR, du matériel nécessaire pour la prévention de la pandémie. Il y a des activités qui sont en cours, des activités de sensibilisation qui sont programmées, il y en a qui sont déjà réalisées. Et cette émission que nous sommes en train d'animer maintenant aussi fait partie de ces activités de sensibilisation et contre la COVID-19. Il est aussi prévu dans les 6 régions, dans toutes les 6 régions, et ces activités, ce n'est pas seulement à Lomé, c'est dans les autres régions aussi, et toujours en appui avec les directions régionales de la santé. Il y a des activités de sensibilisation qui se font à leur niveau. Très bien. Merci. Alors, Monsieur Ignacio Atenedi, alors dites-nous, ce projet vient à point nommé dans cette crise sanitaire généralisée? Oui.
Un mot sur les relations Covid et ce projet. Oui. Elle a déjà évoqué ça, c'est la communication digitale. Mmh. Cette communication digitale a beaucoup gagné en intensité avec la Covid-19 et le projet SDSR a compris que vraiment en s'appuyant sur la communication digitale et surtout en s'adressant aux jeunes, ils peuvent gagner, disons avoir un plus et je m'adresse même à une journaliste. Et vous voyez qu'avec la communication digitale pour le télétravail ou pour l'information à distance, Covid a fait qu'avec les différents confinements ou la restriction des rapprochements ou des réunions de groupes, on a beaucoup avancé dans la communication digitale. Voilà. Et maintenant, par rapport à ce projet qui vient à point nommé, oui, parce que il est tombé à un moment où il fallait beaucoup plus d'acteurs, puisqu'il faut réduire au maximum la proximité, la promiscuité, les activités de groupe. Mm-hmm. Aujourd'hui, 1er décembre, nous venons d'une conférence débat comme ça à Agora Senghor qui a réuni les différentes parties prenantes de la lutte contre le sida au Togo. Et la situation, le thème d'ailleurs de la JMS, c'est solidarité internationale et responsabilité partagée. Mais le Togo a ajouté un sous-thème qui est la lutte contre le VIH dans le contexte de la Covid-19. Mmh. Et donc, ça prend en compte tout ceci par rapport à ce que les différents projets réalisent, y compris le projet SDSR, parce que, premièrement, quand on considère les différentes activités et les différents types de formation que le projet est en train de donner sur le terrain, ouais, on se dit que cela contribue à beaucoup de choses. Mmh. D'abord, elle a parlé, et j'allais dire Raymond a parlé, de la formation des OSC, Organisation de la Société Civile. Ouais. D'abord, il faut d'abord renforcer leurs propres compétences parce que... Leur capacité. Exactement, leur capacité, parce que c'est eux qui seront sur le terrain. Mmh. Ensuite, le projet a entamé une mission de formation des leaders religieux et traditionnels et aussi une formation des élus locaux. Et en même temps, ils sont en train de préparer des supports de communication pour toutes les cibles, mais spécifiquement les cibles des minorités sexuelles. Et ces supports de communication seront beaucoup plus diffusés en digital. Et actuellement, nous pensons même qu'avec Covid-19, les organisations des jeunes au niveau de la lutte contre le sida ont eu beaucoup de créativité en créant plusieurs plateformes de communication digitale. Et ces plateformes seront utilisées. Et d'ailleurs, pour la journée mondiale du sida, nous utiliserons également ces plateformes avec la société civile pour mener des campagnes de sensibilisation sur le thème. Et sur aujourd'hui, on ne peut pas dire on fait la sensibilisation sur le VIH en laissant de côté Covid-19, puisque maintenant une bonne et efficace communication sur le VIH doit respecter les mesures barrières et voilà justement. Mmh. Et donc nous pensons, il y a un aspect qu'on n'a pas oublié, c'est la communication média telle que nous sommes en train de le faire et aussi la formation des journalistes. Il y a la communication média, c'est vrai, mais il y a la formation des journalistes. Mmh. Et je crois que le projet prévoit d'ailleurs de mettre à jour une charte qui existait déjà avec les populations clés, charte du journaliste pour une meilleure information en matière de VIH et donc des populations clés. Je crois que tout ça, le projet est vraiment bienvenu à un moment où je ne sais pas si Covid-19 attendait. Alors, vous l'avez dit, hein, tout le monde le sait, aujourd'hui nous sommes le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Alors dites-nous, en matière du VIH-Sida, quelles sont les populations les plus vulnérables qui continuent d'alimenter les nouvelles infections dans notre pays? Merci. Les populations les plus vulnérables, je peux dire qu'il y a deux catégories. Mmh. C'est vrai, il y a les populations clés, nous l'avons dit, oui, mais il y a les populations vulnérables aussi. Mmh. Il y a notamment les femmes, il y a les jeunes, il y a les populations en grande mobilité. Et
quand on prend ce type de population aux côtés des populations clés, vous comprenez que nous devons rester toujours sur le qui-vive. Mmh. Parce que si, au niveau des populations clés, par exemple, au niveau des HSH, le taux de prévalence est aujourd'hui de 22%. Au niveau des PS, professionnels du sexe, environ de 13%. Au niveau des UDI et des prisonniers, entre 3 et 5%. Mmh. Je crois que cela nous interpelle. Mais il faut aussi reconnaître que quel que soit, le taux de prévalence au niveau national, c'est de 1,1%. Mmh. Et quand je vous parle de HSH ou c'est 22%, vous voyez que c'est 10 fois plus élevé qu'au sein de la population générale. Et donc, il y a interpellation de tout le monde. C'est ça. Parce que si nous savons que c'est ces populations qui hébergent plus le VIH, et en même temps, nous les empêchons d'aller vers les services qui peuvent les aider et nous aider nous aussi à avoir les services nécessaires. D'abord les informations. Au fait, c'est les informations qui posent problème. Mmh. Et ensuite, les services. Et lorsque nous ne sommes pas ouverts à les accueillir dans nos centres de santé, lorsque nous ne sommes pas ouverts à leur donner les informations, donner aussi des informations, ça pose problème de stigmatisation. Mmh. Parce que si Nyansa vient vers vous pour lui donner, Nyansa qui est jeune de, je ne sais, 18 ans, vient vers vous pour avoir des informations sur la santé sexuelle, sur la planification familiale, et au lieu que Madame Carole, qui est médecin, au lieu qu'elle me donne gentiment les informations, elle me demande, mais à ton âge là, tu fais quoi avec ça? C'est une forme de stigmatisation. Ouais. Et si je sors de chez Carole, je ne reviendrai pas. Et donc, elle m'empêche maintenant, j'aurai maintenant la difficulté à aller chez n'importe quel médecin pour avoir des informations. Et donc, il faut que les populations vulnérables, les populations clés, il faut que tout cela constitue une sorte de levier. C'est vrai, c'est elle qui héberge la population clé, qui héberge le plus le VIH, il faut que en même temps ces populations puissent constituer un facteur de lutte contre le sida de manière efficace, puisque aujourd'hui elles-mêmes elles ont compris, elles se sont organisées en différentes associations jusqu'à en avoir une fêtière. Et donc nous pensons que les populations, si on dit en un proverbe togolais que lorsqu'on a déjà vu un serpent, on ne peut pas se laisser mordre. Et lorsque nous connaissons les poches de notre épidémie, on ne peut plus faire en sorte que l'épidémie nous dépasse. Bien sûr. Alors, comme l'a dit M. Nyansa Atenedi, c'est vrai que selon une enquête ou bien un rapport du PNLS en 2017, le taux de prévalence du VIH-Sida au sein des populations clés était 10 fois plus élevé qu'au sein de la population générale, où le taux était de 2,1%. Alors, ce qui veut dire qu'au sein de cette population, le taux en 2017 était de 22%. Alors, nous avions, face à cette situation, nous avions interrogé la rue qui s'est prononcée sur la situation et le taux élevé du VIH-Sida au sein de cette population, dite population clé. Nous allons écouter les avis des uns et des autres sur cette question. En fait, la question du VIH, bon, c'est un truc vieux. Si les hommes, entre eux, pensent qu'il n'y aura pas contamination, là, ce qu'on devra faire, les organismes sociaux, les organismes de santé doivent sensibiliser. Ils doivent faire une sensibilisation, démontrant que, effectivement, entre hommes, la contamination existe bel et bien. Et si le taux a augmenté 10 fois plus que les taux précédents, il serait bien de mettre un accent sur les mesures de prévention, le port de préservatifs. Je vais dire que, en grosso modo, c'est que on reprend carrément le travail à zéro, quoi. On sensibilise les hommes pour que ils puissent prendre soin de se protéger, tout comme s'ils sont entre hommes et femmes, quoi. Pour réduire le taux de contamination au sein de cette cible-là, il faut pouvoir arriver à entourer cette cible-là de sensibilisation. Parce que c'est la sensibilisation. C'est vrai qu'on lutte pour réduire le taux de contamination du VIH, mais
si on arrive à détecter la progression de cette contamination au sein d'une cible donnée qui sont les hommes qui entretiennent les rapports sexuels entre hommes, c'est qu'il faut arriver à sensibiliser aussi cette couche-là. Eux aussi font partie de la population. La sensibilisation consiste premièrement à pouvoir identifier cette cible-là et à pouvoir entretenir, disons, une stratégie de porte à porte ou bien de contact à contact en évitant cette contamination-là. Parce que le VIH aujourd'hui, pour être contaminé, nous savons très bien qu'on peut se contaminer par les rapports sexuels non protégés, l'utilisation des aiguilles ou bien des objets souillés tranchants. Le fait que deux personnes de même sexe entretiennent des relations, en principe, il faut faire des sensibilisations afin que les gens puissent proscrire ça dans leur comportement. Oui, le premier volet de la sensibilisation qu'il faut mener pour réduire le taux du VIH, c'est l'utilisation du préservatif, même si ces relations concernent les personnes du même sexe. Éviter aussi d'utiliser des objets déjà utilisés par son partenaire ou une personne suspecte, comme les ciseaux, les lames, les brosses à dents et autres. Bon, selon moi, la formation doit passer au niveau de la population cible qui est les hommes là. Population masculine, bon, à leur informant que le constat a été prouvé que leur relation décuple le taux de contamination du VIH. Donc pour cela, je crois que s'ils sont informés, on doit leur apprendre. Si ils veulent toujours maintenir les relations hommes là, les méthodes à employer pour pouvoir diminuer ce risque d'infection dans cette population cible, il faut d'abord accompagner ces personnes-là. Pas les discriminer, mais les accompagner psychologiquement à comprendre les méfaits, les conséquences et les dangers de ça. Parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que cette pratique, non seulement certains se disent qu'ils sont nés dedans, mais il y a certains qui le font seulement par des rituels. Et il faut d'abord enlever le truc de je suis né comme ça, je suis né homosexuel. Non, personne n'est né homosexuel. Pour pouvoir réduire cela, comme je l'avais dit, c'est l'accompagnement. Ok, selon moi, pour éviter le VIH-SIDA au sein de la population, il va falloir tout d'abord qu'on pratique l'abstinence et même pour faire les rapports sexuels aussi, il faut se protéger. Mettre les préservatifs. Les hommes font des rapports sexuels entre eux-mêmes. Donc la question est que comment fait-il, c'est-à-dire pour éviter la propagation de VIH. Et moi personnellement, ce n'est pas de la joie, ou bien oui c'est ça, ce n'est pas une joie pour eux. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui ont accepté répondre à cette question. Monsieur Nyassa Atenedi, je voudrais qu'on rebondisse un peu sur la dernière intervention. Le monsieur qui a dit les hommes qui entretiennent des rapports sexuels avec d'autres hommes, ce n'est pas avec joie qu'ils le font. Alors, ma question, une question de curiosité, qu'est-ce qui justifie ou bien comment expliquer cette orientation sexuelle chez certaines personnes? Merci beaucoup. Heureusement, vous avez si bien dit, une orientation sexuelle, ce n'est pas un choix sexuel. Et quelqu'un parlait des études là-bas. Plusieurs études ont démontré que les pratiques sexuelles d'aujourd'hui existaient depuis et que plus le monde devient grand, les populations deviennent grandes et on vit dans l'anonymat, plus les gens s'extériorisent. Sinon, c'est des pratiques qui ont toujours existé de tout temps dans toutes les communautés du monde, depuis que le monde est monde. C'est ça. Mais maintenant, comme c'est des orientations sexuelles,
Et c'est vrai, des personnes plus spécialisées pourront répondre à ça, mais ce n'est pas des choix sexuels, c'est des orientations sexuelles. Et comme quelqu'un l'a dit, c'est avec, j'ai suivi avec intérêt les interventions, la même personne dit qu'il faut plutôt accompagner ces populations au lieu de les stigmatiser. Et donc, vous avez vous-même utilisé plusieurs fois le mot sensibilisation et le mot sensibilisation est revenu dans ce reportage-là à maintes reprises chez tous les intervenants. C'est ça. Et nous pensons que cette sensibilisation, et quelqu'un a dit, on reprend le travail à zéro. À zéro. Là, j'ai compris ça à ma manière. C'est-à-dire que chaque jour que Dieu fait, il faut qu'on sensibilise les populations comme si hier on n'avait pas encore sensibilisé. Tout à fait. L'information doit être permanente. Elle doit être répétée. Ouais. Et parce que d'une cible à l'autre, l'information, la même information que j'ai reçue aujourd'hui, demain en la recevant, je peux mieux la comprendre par rapport à aujourd'hui. Je crois que merci à TVT qui a fait ces interventions-là. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, madame, c'est vrai, je voulais, je voulais vous demander de réagir par rapport à tout ce que vous venez d'entendre. Et ma question, c'est de vous demander ce qui a pu retenir votre attention. Et le mot qui est revenu plusieurs fois dans les différentes interventions, c'est la sensibilisation. Et M. Niassa Akhenedi l'a dit tout à l'heure, c'est un mot qui est dans presque toute la bouche, bien sûr, les lèvres des intervenants. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un gros travail encore à faire? Monsieur Niassa l'a dit, c'est vrai. Quelqu'un l'a dit, il faut recommencer à zéro. Il faut continuer pas sensibiliser comme si on n'a pas encore parlé de ça. Il faut continuer, c'est ce que dit Monsieur Niassa Akhenedi. Est-ce que vous êtes d'accord? Merci, Tata Carole. Je suis parfaitement d'accord par rapport à ces interventions. Et la sensibilisation, on n'en finira jamais avec. Parce que c'est elle qui nous permet de donner l'information aux populations en matière de la santé en général et en matière de la santé sexuelle et de la reproduction et en particulier. C'est ça. Alors, et l'homme qui naît, lorsqu'on naît, on passe par l'étape de l'adolescence, on devient jeune et on grandit. Alors, à travers toutes ces étapes, nous avons besoin d'un certain nombre de soins, de services. Alors, et lorsque nous n'avons pas d'informations, nous ne pouvons pas aller demander ces services. Il faut qu'on nous apporte de l'information à travers la sensibilisation. Donc la sensibilisation est très importante. Et cette sensibilisation nous permettra d'atteindre ces couches les plus vulnérables, les populations, les minorités sexuelles qui ont peur de se montrer et parce que n'ayant pas les mêmes pratiques que les autres, les pratiques qui sont autorisées de façon générale. Alors, en les sensibilisant, ils seront amenés à venir demander les services de santé sexuelle et de la reproduction. Et cela nous permettra aussi de les prendre pour le dépistage du VIH et prendre en charge ceux-là qui sont infectés et partant de là, vraiment réduire sensiblement la prévalence du VIH. Prévalence. Alors, parlant justement du taux de prévalence, M. Akhenedi, quel est ce taux aujourd'hui au sein de ces populations clés, le taux de prévalence du VIH-Sida chez nous, au sein de ces populations clés? Oui, comme je le disais, les principales populations clés, quand on prend les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, nous sommes en 22% pratiquement en 2017. Et Les PS, nous sommes autour de 13%. Vous voyez, c'est pour les UD et les prisonniers où on est entre 3 et 5%, je n'ai pas les chiffres précis. Et donc, je crois que avec ces taux, c'est quand même déjà élevé. C'est vrai que le taux de prévalence depuis 5 ans dans la population générale chez nous est à 2,1% selon l'outil Spectrum. Et si je devais revenir même sur le sujet que vous venez de diffuser, et on nous dit, vous avez vu que tout le monde a parlé de sensibilisation.
Il y a une étude de CAP, comportement, attitude, qui a été menée par le projet SDSR en mai dernier et qui démontre que seulement 20% de la population générale et 13% des LGBT déclarent connaître la notion de santé sexuelle et de la reproduction. Mmh. Vous voyez que c'est ce qui nous concerne ça, mais nous ne connaissons pas. Mmh. Seuls 20% dans la population générale et 13% dans la population des LGBT. Mmh. Mais dans le même temps, si la population ne connaît pas, mais demande qu'on sensibilise les gens, il n'y a pas contradiction. La même étude a démontré que ce sont 4% au niveau des attitudes. La majorité des Togolais de la population générale, notamment, sont 4%, disent être hostiles à la jouissance des droits de la SSR par les personnes lesbiennes, gays et LGBT. Mais dans la réalité, on sent que même si l'homme, le Togolais, n'aime pas cette pratique, n'aime pas entendre parler de la pratique homosexuelle ou HSH, il n'est pas hostile à ce que l'on sensibilise les populations pour qu'elles aillent vers les services et les services de santé, j'allais dire. Et je crois que lorsque quelqu'un disait qu'il faut la sensibilisation permanente, un autre a précisé qu'il faut sensibiliser aussi les LGBT, les personnes là elles-mêmes. Mm-hmm. Ça, il touche du doigt le problème d'auto-stigmatisation qu'on rencontre aussi au sein de ces populations-là, qui pour un oui ou pour un non s'auto-stigmatisent, se confinent, reculent et ne veulent pas aller vers les services qu'il faut. Parce que quelqu'un a parlé de stratégie. Vouloir aller vers, même toi qui es de la population générale, tu veux aller vers les services de santé, il n'est pas facile de dire au médecin de quoi tu souffres. Parfois, tu as de la peine à lui expliquer, oui, c'est ma tête, mais tu ne sais pas comment elle fait. C'est ta tête, mais tu ne lui dis pas très bien comment ta tête te fait. Donc, je crois que par rapport à ces sujets, il est important de continuer la sensibilisation, mais en même temps, il est aussi important que les LGBT, que les minorités sexuelle sache qu'elles ont aussi elles-mêmes un travail de fond à faire entre elles pour pouvoir connaître d'abord les différents services existants, connaître leurs droits, connaître en même temps les différentes lois du pays et savoir négocier avec les lois. Très bien. Alors, nous reconnaissons ce soir que le taux de prévalence du VIH-SIDA au sein des populations clés est un peu élevé. Alors, au niveau du CNRS-IST, quelles sont les stratégies que vous préconisez pour renverser la tendance? Oui. Bien les tendances. Merci beaucoup. Ça, au niveau du secrétariat permanent du CNRS-IST avec tous ses partenaires, la méthodologie de travail est l'adoption et la mise en œuvre des plans stratégiques de lutte contre le sida tous les 5 ans. Et en matière de contenu de ces plans stratégiques, l'on adopte les axes principaux sur lesquels il faut travailler. Et pour le plan stratégique 2021-2025, les axes, ils sont 4. La prévention, pour diminuer tant soit peu, le nombre de nouvelles infections. Le renforcement de dépistage, de prise en charge, pour éviter un tant soit peu le nombre de décès. L'amélioration de l'environnement juridique. Et ça, c'est un problème sérieux. Cet axe est nouveau. Dans tous les autres plans stratégiques, le problème de genre et droits humains est transversal. Mais cette fois-ci, dans ce nouveau plan stratégique, ce problème de genre et droits humains est un axe stratégique à part entière. Et cela permet d'adresser maintenant les problèmes de normes, les problèmes de conviction, les problèmes de pratiques sociales, les problèmes des lois juridiques qui sont parfois hostiles à certains types de populations, alors que les mêmes lois parfois luttent contre la stigmatisation. Nous avons la loi portant protection des personnes en matière de VIH qui accorde, disons, les droits à tous les types de personnes d'avoir accès aux services de santé. Et même qui
punit les types de stigmatisation, quelles qu'elles soient et contre qui elles soient dirigées. Et donc, il y a, au niveau de la prévention, les différents types d'actions que l'on mène. Il y a la sensibilisation, la communication pour un changement de comportement. Et il y a, au niveau de la... nous avons parlé déjà de la communication digitale tout à l'heure, vers laquelle les jeunes sont en train d'aller progressivement. Et au niveau du renforcement de la prise en charge, il y a le renforcement du diagnostic, c'est-à-dire du dépistage du VIH, et en même temps suivi de soins et de traitements. Et actuellement, ce que je peux dire, c'est que au Togo, on est en train de donner les paquets ensemble. Il faut que les paquets soient ensemble. En même temps qu'on te dépiste, il faut qu'on te fasse suivre de traitements, de la prise en charge. Et il y a de nouvelles méthodes aussi pour faciliter le dépistage. Et nous sommes en train d'aller vers les possibilités pour que chacun puisse se dépister facilement chez lui. Maintenant, au niveau, le quatrième axe, c'est la gouvernance. Ça, c'est un axe que les gens ne perçoivent pas très bien. C'est un axe qui permet que la gestion de la lutte contre le sida soit méthodique et professionnelle, c'est-à-dire la nécessité de redevabilité. Et le Togo adopte un plan stratégique avec des actions à mener. Il doit rendre compte à la fin de l'année ou à la fin de ce plan si les actions qui étaient prévues ont été menées, oui ou non. Ils ont été menées avec quels moyens? D'où sont venus les moyens? Qui a mis en exécution ces moyens? Et est-ce que la vérification de la mise en exécution démontre que les moyens ont été bien utilisés? Et tous ces moyens qui ont été utilisés pour mener les actions qu'il fallait, ont-elles donné, tous ces moyens, ils ont donné quels résultats à la fin du plan stratégique? Et c'est en cela que le Togo fait des efforts, continue de faire des efforts avec l'accompagnement de tous ses partenaires. Merci beaucoup. J'ai retenu une phrase très importante dans ce que vous venez de dire. La gestion de la lutte contre le sida doit être une gestion méthodique et professionnelle. Alors dites-nous, M. Nyassa Tenedi, est-ce qu'avec l'avènement de la pandémie au nouveau coronavirus, est-ce que la lutte contre le sida est encore effective? Mais il y a eu un break à un moment donné. Oui. Il y a eu une pause. Il n'y a pas eu de pause. Parce que nous venons d'une conférence débat ce matin. Et c'était là même les sujets principaux. C'est ça. Comment, malgré la pandémie de COVID-19, la lutte contre le sida s'est poursuivie. Et donc, tous les acteurs clés ont dû faire des communications pour expliquer comment, à un moment donné, on a failli être bloqué, mais il a fallu des adaptations pour contourner, pour esquiver les petits problèmes qui a failli. Même au niveau des intrants, c'est là où tout le monde avait eu peur. Intrants médicaux pour prendre en charge même les PVVIH. C'est ça. Parce que, madame, sachez que avec coronavirus, tout a été bloqué. Bloqué non seulement au Togo, les pays qui nous livrent, par exemple les ARV n'en livrent pas parce qu'ils ont fermé leur usine. Et vous imaginez, mais avec son génie, le Togo, avec l'appui de ses partenaires et en même temps les différents partenaires qui appuient les différents projets, elle a parlé, ou c'est Raymond qui a parlé de Amplify Change ici. Et donc, avec la compréhension, la flexibilité de tous les partenaires, les contournements ont eu lieu et les choses sont en train d'avancer. Et en même temps, le Togo est en train de réfléchir à comment, avec le temps, continuer la lutte de la même manière, de manière efficace, malgré la présence de coronavirus. Donc, vous nous rassurez ce soir que malgré la pandémie, la crise sanitaire due au coronavirus, la lutte contre le sida continue malgré les petites difficultés. Vous avez réussi à la contourner, c'est ce que vous nous dites ce soir. Exactement. C'est vrai, il y a eu des petits soucis, mais rapidement les soucis ont été contournés. Et tous les projets sont en continuation. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, que ce soit la lutte contre le VIH-Sida ou pour la promotion de la santé, droits sexuels et de la reproduction dont nous parlons ce soir, c'est un engagement civique. C'est un engagement civique et plusieurs organisations de la société civile ont compris justement le rôle qui est le leur en se mobilisant dans une certaine synergie d'action pour accompagner le projet
projet dénommé, je le rappelle, Engagement de la société civile, droits sexuels et de la reproduction pour tous au Togo. Dans les principales activités, nous sont déclinées ici avec le directeur exécutif du réseau Cupidon. Nous retrouvons monsieur Adadiso Raymond. Les activités vont consister essentiellement dans la production d'un certain nombre d'études, sinon de rapports sur l'état actuel de jouissance de la santé sexuelle et des droits de la reproduction des communautés que nous appelons souvent les minorités sexuelles. Quel est l'état de leur jouissance? Qu'est-ce qui est fait pour eux? Est-ce que ces communautés arrivent véritablement à jouir de leurs droits à la santé sexuelle? Et donc ça, c'est un aspect des activités, par exemple. Mais c'est tout un éventail d'activités qui rentrent dans le renforcement de capacités et dont vous allez avoir des interventions comme une évaluation organisationnelle de toutes ces organisations-là, les 15 organisations réunies, afin de pouvoir renforcer leurs capacités sur un certain nombre de thématiques précises. Ces renforcements de capacités ont lieu, par exemple, sur l'organisation structurelle. Est-ce que leur gestion administrative, sinon financière, est convenable? Est-ce que ces organisations sont dotées d'outils, sinon de matériel, pour bien faire la tâche qui leur sont assignées? Est-ce que en matière de santé et droits sexuels pour tous, est-ce que ces organisations sont véritablement outillées? C'est tout cet accompagnement-là que nous offrons à ces membres de cette coalition. À part le renforcement des capacités, il y a tout ce qui est en lien avec la sensibilisation des communautés, mais de toutes les parties prenantes sur le droit à la santé. Ça aussi, c'est un volet essentiel sur ce projet. Nous faisons beaucoup d'actions avec les couches constituantes de nos communautés. Nous avons les leaders religieux, les leaders communautaires, les chefs traditionnels, sur le droit à la santé, mais surtout sur le droit à la SDSR, la santé et le droit sexuel et reproductif pour tous au Togo. Donc, en matière de sensibilisation, la présente émission rentre dans ce volet-là de ce projet. C'est la sensibilisation de masse aussi, la communication autour du droit à la santé, le droit à la jouissance de la santé en matière de santé sexuelle, droits sexuels et reproductifs. Voilà, merci à monsieur Raymond Adadiso. Madame, vous êtes le point focal SDSR de la direction de la santé mère et enfant. Est-ce qu'au Togo, la jouissance effective des droits à la santé sexuelle et de la reproduction par les populations en général, pas seulement les populations clés, mais les populations en général, est-ce que ça reste un défi majeur? Merci, Tata Carole. Et au Togo, je dirais que, je vais partir comme ça, la santé de la reproduction en elle comporte quatre volets. Nous avons la santé de la femme, la santé de l'enfant, la santé des hommes et la santé des jeunes et adolescents. Donc, pour chaque volet, nous avons des composantes. Donc, dans ces composantes-là, nous voyons que et toujours contre la COVID-19. Et également, il y a eu le renforcement des capacités en matière d'éthique et pour promouvoir le télétravail. Alors, est-ce que vous n'avez pas rencontré certaines difficultés liées à la gestion de cette pandémie avec le projet? Oui. Bon, au début, il y a eu des difficultés parce que les activités ont dû s'arrêter un moment avant de reprendre. Et il y a eu certaines activités qui étaient programmées et qu'on a dû recaler. C'est ça. Et à cause du regroupement qui a été interdit à un moment donné. Ouais. Donc, lorsque la situation a été un peu décantée, donc nous avons repris le projet, les activités ont réellement repris et les activités qui étaient restées en stand-by, donc ont vu leur mise en œuvre. Très bien. Maintenant, je peux dire que ça va. Les activités se déroulent normalement. D'accord. Nous remercions Dieu. Et ceci nous amène à ouvrir la page Covid de cette émission.
docteur Pana Assimawe-Paul. Il est épidémiologiste et médecin de santé publique. Il fut représentant de l'OMS. Il met ce soir encore, entre autres, l'accent sur le port du masque pour se protéger contre le virus du corona. Voici tout de suite les questions-réponses. Comment on peut savoir que vous êtes asymptomatique si vous n'avez pas fait le test? Parce qu'en ce moment, effectivement, si vous avez fait le test et que le résultat est négatif, ça veut dire que vous n'êtes pas contagieux. Mais il faudrait que vous vous protégiez. Nous sommes dans une communication du public. Alors, avant qu'on ne puisse, parce que vous sortez dans la rue, vous ne savez pas qui vous allez rencontrer. Ce n'est écrit sur le front de personne que, attention, j'ai le Covid, et donc vous n'en avez pas, donc ne portez pas le masque. Non, on le porte par prévention, par précaution. C'est pour cela que tout le monde qui sort de sa maison, puisqu'il ne sait pas celui qu'il va rencontrer au cours de ses mouvements dans la journée, il vaut mieux prévenir, donc porter son cache-nez. Le masque fait partie des trois mesures essentielles et fondamentales pour lutter contre le virus. Dans la lutte contre les maladies, la prévention est capitale, surtout chez nous ici où nous avons des moyens réduits pour avoir accès aux soins, etc. Le masque seul ne suffit pas, mais il est important. Parce qu'on a trouvé que la COVID-19 est une maladie qui se transmettait d'une façon par l'air, aérosol, donc par la respiration, mais également par la bouche et par les contacts. Donc pour lutter contre ça, il faut porter le masque, certes, surtout quand on est en interaction avec son prochain et qu'on n'est pas à une distance raisonnable, eh bien, il faut porter systématiquement le masque. Mais il faudrait aussi laver les mains. Les mains, pourquoi? Parce qu'on peut prendre le virus en touchant certains objets qui ont été souillés et par mégarde, on les prend. Il faut également rester, comme je l'ai dit, à distance. Parce que c'est une maladie, les postillons ou les particules, quand on parle, quand on tousse ou quand on respire, eh bien, on laisse dans l'air, lorsqu'on est contagieux, on laisse dans l'air des postillons qui contiennent le virus. Et celui qui respire et qui n'a pas porté le masque, il devient malade. Donc c'est pour cela que le masque est très important lorsqu'on se retrouve dans un milieu où on a 2, 3, 4 personnes, il faudrait porter le masque. Il est fondamental parce que c'est une maladie qui se transmet à travers l'air que nous respirons et puis à travers aussi les postillons que nous émettons lorsque nous parlons ou nous toussons. C'est une question qui a été posée pendant longtemps. Il y a des études aux États-Unis et puis en Australie qui se sont penchées sur cette question-là. Et le temps de vie du coronavirus sur les objets varie d'un objet à un autre. Dans l'air, c'est de quelques heures hein, jusqu'à 7 heures, 8 heures de temps, selon la température, selon aussi l'espace où on est. Sur la peau, ça peut aller jusqu'à 3 jours. Hein. Ils ont trouvé ça. Sur des surfaces lisses comme nos téléphones, tout ça, on a trouvé que le coronavirus pouvait rester même jusqu'à 3-4 semaines. Mais dans l'eau, on ne l'a pas trouvé. Ce qui est sûr, on ne l'a pas trouvé dans l'eau. Ce qui fait que, effectivement, la transmission par l'eau n'est pas encore démontrée. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faudrait nettoyer nos objets, votre téléphone, les petits objets qu'on a à la maison, qu'on touche, les poignets, il faut les nettoyer parce que justement sur l'acier lisse, on a trouvé que le coronavirus pouvait rester près de 3, 4, 5 jours même. Donc c'est pour ça qu'il faut nettoyer. Il faut nettoyer avec des désinfectants tout objet que tout le monde peut toucher. Thank you.
s'adresser à la population. Les gens ont relâché justement la mise en œuvre des mesures barrières. Et il va falloir qu'on se ressaisisse, qu'on puisse effectivement revenir et mettre les mesures barrières en œuvre telles qu'on l'avait fait au début de la lutte. Ça, s'il vous plaît, la population, chacun de nous doit dire que je ne voudrais pas que le coronavirus passe par moi. Et il ne faudrait pas que je le transmette aussi à l'autre. Je crois que cette devise-là, elle est très importante au niveau individuel et collectif. Mon deuxième message s'adresse aux agents de santé. Je voudrais les féliciter pour leur dire qu'ils font un sacerdoce comme d'habitude. Parce qu'on a commencé même à enregistrer des cas des agents de santé qui malheureusement ont contracté le virus. Il y en a même qu'on a perdu. Que leur âme repose en paix. Donc, il ne faudra pas baisser les bras. On doit continuer la lutte. Nous avons fait le serment. Dans n'importe quelle condition, il faudrait que nous puissions continuer à donner le service aux patients afin de pouvoir les soulager. Et il faut qu'ils continuent. Enfin, pour les autorités, je pense qu'on doit les remercier pour tout ce qu'ils font. Et ils continuent de prendre des dispositions. Il ne faut pas qu'ils se fatiguent. Nous savons que la situation est tellement difficile avec la réduction économique du fait de la pandémie mondiale. Mais il y a beaucoup de nécessités aussi. Il faut qu'ils continuent les efforts pour pouvoir donner le minimum qu'il faut au niveau des services de santé pour que le travail se fasse correctement pour la population togolaise. Voilà, c'était la page Covid de cette émission. Nous étions avec Dr Pana qui a mis l'accent sur l'importance du port de masque, ce qui est extrêmement important et fondamental pour lutter contre le virus du corona. Nous remercions donc Monsieur Pana Paul. Il est épidémiologiste et médecin de santé publique. Il fut ancien représentant de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, Monsieur Nessa, nous revenons à notre thème du jour, droit, santé, droit sexuel et de la reproduction, et nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Dites-nous, quelles solutions proposez-vous aux autorités et aux autres acteurs? Autorités, c'est vrai que vous faites partie du CNLS-IST, qui est une structure de l'État, mais vous avez quand même, vous devrez avoir quand même des solutions ou bien des suggestions à faire à l'État. Merci beaucoup. Je crois que si l'État a pu prendre des dispositions à travers notre constitution et d'autres textes fondamentaux en matière de santé et de bien-être pour dire que tout citoyen a droit à la santé sans aucune distinction, je crois que l'État devait prendre les dispositions pour que les lois discriminantes puissent être corrigées afin de faciliter et sinon d'enlever la peur à certains citoyens ou certains types de citoyens d'aller vers certains services, tout simplement parce qu'ils seront discriminés et parfois même dénoncés. Mmh. Aux autorités... Ça a été développé ce soir. Santé, droits sexuels et de la reproduction pour tous au Togo. Merci. Et mon mot de fin, c'est que personne ne doit être laissé de côté en matière de la santé sexuelle et de la reproduction. Et la santé sexuelle et de la reproduction doit commencer par la maison. Nous devons communiquer à la maison avec notre mari, notre femme, nos enfants. Nous devons communiquer et cette communication-là doit continuer avec les prestataires de soins de santé qui doivent considérer tout le monde au même niveau. Donc toute personne, que ce soit les communautés LGBTQ ou autre, toute autre personne, nous devons les recevoir et au même
pied d'égalité et les traiter, leur offrir le service dont ils ont besoin. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour l'émission de ce soir. Nous avions parlé du projet dénommé Engagement de la société civile pour la promotion de la santé, droits sexuels et de la reproduction pour tous au Togo, avec au centre la situation des populations clés et les solutions d'approche pour l'épanouissement de tout individu. Alors, nous étions sur ce plateau avec M. Nyassé Atnedi. Il est le chef service communication et relations publiques au niveau du secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les IST. Et avec Madame Assou Adikpe Lema Charlotte, elle est point focal santé, droits sexuels et de la reproduction, SDSR, à la direction de la santé mère et enfant. Voilà, chers invités, merci d'avoir partagé toutes ces informations avec nous ce soir. Et nous espérons que nous allons vous revoir sur ce plateau, dans cette même émission, pour la continuité du projet et voir dans quelle mesure les difficultés ont été, comment on dit ça, prêtez-moi le mot, monsieur Nyassa, ont été aplani. Merci beaucoup pour le mot. Voilà, ça a été un plaisir. Nous remercions l'équipe technique grâce à qui cette émission a pu avoir lieu, et l'équipe de tournage et du montage également. On se donne rendez-vous le mardi prochain pour un nouveau numéro de votre émission Santé d'abord. Mais d'ici là, portez-vous bien. Respectons toujours les mesures barrières pour éviter le virus du corona. Au revoir et à mardi prochain.